So crazy right now. Hi besties et bienvenue sur my bachelorette vlog. It's my bachelorette today. It's starting today. On est vendredi. Puis j'étais juste en train de get ready, casual et ouais, I was just doing my glam. Puis j'ai vraiment hâte parce que c'est un surprise. I have no idea. J'ai une mini idée dans le sens que j'ai dit à mes amis ce que j'aime. Puis j'ai dit à mes amis ce que j'aime pas. Fait que j'ai un feeling qu'on va aller souvent au resto. Because they know I love to eat out. Puis qu'on va comme avoir des cutie activities. Puis ça va être très comme girly. Classy, girly and still party. That's the vibe I think we're going for. Déjà qu'on dort à l'hôtel, je trouve ça vraiment cool. Ça fait des années. La dernière fois que j'ai dormi vraiment à l'hôtel avec toutes mes amies, ben c'était le voyage au Mexique. Mais mettons mes amis du secondaire, my girls and everything, je me rappelle même pas quand qu'on a fait ça. Puis là aujourd'hui c'est vraiment comme mes amis du secondaire, mes amis de longue date, all my best friends que je vais toutes voir dans le même week-end. On fait vraiment comme like a long weekend thing. Fait que c'est ce week-end, puis Gab aussi c'est ce week-end en même temps. Moi je vais à l'hôtel puis les gars ils viennent ici. Genre ma valise est pactée, j'ai ma housse déjà à l'entrée. Je sais pas si vous voyez ici, j'ai mon bridal suit. C'est genre un hoodie écrit bride. Je vais le mettre, j'ai déjà les sweatpants on. Fait que j'ai hâte aussi de voir un peu. J'ai aucune idée, vraiment je sais rien du bachelor à Gab. Mais lui je pense qu'il sait des trucs de mon bachelorette. Mais moi je sais rien de son bachelor. Fait que j'ai hâte, j'espère que les gars vont prendre des photos. Parce que obviously le mien va comme être quand même out there on social media. Mais j'ai l'impression que lui, moins. Fait que j'espère vraiment qu'il va prendre des photos pour que je puisse voir. Et tout, fait que, ouais, oh my god, je suis tellement contente. J'ai hâte de voir toute ma gang. Genre, I feel like excited and stressed at the same time, mais comme un good stress. Comme je me sens juste que le wedding arrive tellement vite. It's just, genre, je suis contente d'avoir fait aussi mon bachelorette quand même, comme close to my wedding month. Puis je me marie en juin, puis on est le dernier week-end de mois de mai. Je trouvais que c'était juste comme perfect parce que ça me donne vraiment genre the wedding feeling, puis the wedding fever. Fait que, ça c'est mon make-up. J'aime vraiment le make-up look que j'ai fait aujourd'hui. Je pense que it's gonna look like that at my wedding. Genre, à mon wedding, je vais quand même beaucoup me ressembler avec mes cheveux frisés. Puis, ouais, moi, je veux vraiment comme be me at my wedding day. Puis c'est tout à moi qui fais mon make-up. Fait que là, j'ai mis comme un peu like shimmer here. J'ai utilisé la palette Stila. Puis, je suis quand même vraiment satisfaite du look. J'aime vraiment aussi ma peau. Ce que j'ai fait avec ma peau, comme my skin is looking so good. J'ai genre zéro imperfection. It's a good skin day today. Genre j'ai zéro comme bumped, everything. Like c'est smooth AF. Ma peau right now, on dirait que j'ai genre un filter en face de ma queue. Genre it's smooth. Fait que je suis vraiment satisfaite aussi avec ma skin routine. J'ai fait toute cream au début. Chose que je fais pas souvent. J'ai mis genre cream blush, cream bronzer, cream everything. Après ça, j'ai mis toutes mes poudres. Puis avant de mettre mes poudres, j'ai seté mon visage aussi. I think that helped. J'ai hâte que ça commence. Je peux pas attendre une seconde de plus. Je me sens comme un kid qui s'en va à Disney. Puis j'attends mon lift. Puis je suis comme, let's go, I'm ready to roll. Fait que, get ready, pasties. Si vous avez aimé mon vlog au Mexique de genre the drunk moments, the crazy moments, this will be it. I keep it all real for you, besties. Fait que, on se jase dans le vlog. Pris.
Puis là, le plan à date qu'on a fait, c'est tout un surprise. Fait que je vais vous expliquer un peu what happened. Dans le fond, je suis arrivée à l'hôtel. Désolée si vous voyez comme une lumière vibrée. Peut-être que... Oh, si je l'enlève, vous me voyez mal. Mais c'est que j'ai comme un flash. Puis j'ai l'impression qu'on voit que ça... Oh, whatever. You know me. Puis on est allé dans le fond. On est arrivé ici. On a comme tout... Ils ont tout décoré la salle. C'était tellement beau. Oh! Qu'est-ce qui se passe? On a des problèmes techniques. On a des problèmes techniques avec le flash. Oh, il veut plus. Tiens le flash maintenant. Ça, c'est le behind the scene of the vlog. Ok, je voulais juste vous dire qu'est-ce qu'on a fait à date pour le vendredi. On est arrivé à la chambre, les filles avaient tout décoré, plein d'attention, comme tous mes bonbons préférés, ma face partout, genre le popcorn avec les mini eggs, vous avez vu sur Instagram, de l'alcool partout, genre, juste checker ça. Il y en avait partout, genre mes alcools préférés, j'aime full la Keto One, on va se faire des spritz, on va pouvoir se faire plein de cocktails. Puis après ça, on est allé au salon de l'atelier, ils nous avaient réservé toute leur section salon, puis les filles ont toutes organisé pour qu'on ait nos soins, on s'est toutes fait coiffer, on a, moi j'ai une pédicure, des filles qui ont fait leurs ongles, fait que c'était comme un little cocooning time, on a mangé des sushis, on a pris du champagne, puis là on est all dressed up et on s'en va, je sais pas où, souper quelque part, mais je sais pas quel resto, puis je vais sûrement vlogger plus avec ma caméra de ciel, puis laisser la grosse caméra ici pour comme enjoy, mais je vais vous faire update. Good morning besties, c'est présentement samedi, jour 2. Of the Bachelorette. Mamie Maud est là. Peut-être vous reconnaissez certaines de mes girls parce que c'est mes amies depuis secondaire et cégep. Puis là, j'ai des eye patch. I'm drinking a lot of water. Ils m'ont fait un cup trop cute. C'est écrit Maud avec une petite bague de mariage. So I'm staying hydrating. Staying hydrated. Comment quoi? J'ai jamais utilisé le Dyson Airwrap. Je le vois tout le temps sur TikTok. Ben, si vous avez pas un Dyson Airwrap, courez vous en acheter un. Tant que ça, ça va me vendre, genre. Là, c'est juste que moi, je suis habituée de le faire sur moi-même. Fait que, faut que je catch de quel bord je m'en vais. Parce que d'habitude, si je suis face au miroir, toi, je suis face à moi. Vu qu'on regarde dans le miroir, comme ça, tu regardes. Mais attends, je vais checker. Fait que là, si tu as tes cheveux en avant, moi, je veux que tes boucles aillent vers l'extérieur. Puis après, on brosse ça, genre. Approximativement. Ok. Mettre une petite pince ici, tu vas être très cute. Très cute. Je suis à terre dans la cuisine, doing my make-up. Puis hier, le make-up que je me suis fait, c'était vraiment un succès. Je pense que ça va être the wedding make-up. Genre, ça l'a tenu toute la soirée. J'ai eu tellement de compliments sur ma peau, genre comment j'avais fait ma complexion. Là, j'ai pas de mascara, fait que j'ai l'air vraiment bizarre. Ouais, I'm ready! Day 2! Je porte un outfit de sport. C'est genre un kit que j'ai acheté sur Amazon. Leggings de sport, top de sport. Puis j'ai mon hoodie bride autour de mes hanches. And I did my glam. And I'm ready for day 2. J'ai un peu perdu la voix hier avec le karaoké, mais classique. Fait que, à ce qui paraît aujourd'hui, c'est une grosse journée, les filles m'ont dit. Puis présentement, 10h du matin et ça part. Je sais pas. Hey besties, I'm ready. Puis là c'est samedi. J'aime vraiment mon outfit. Je porte un jumpsuit de Jess Coop. Puis c'est comme tout brillant et un peu disco vibe. J'ai aucune idée encore les plans. J'ai un peu perdu ma voix du karaoké d'hier. But on a eu une pool day, c'était vraiment le fun. C'était genre, on avait la terrasse de notre hôtel à nous, toutes les girls, a little private pool party. On avait des cocktails, des spas, genre c'était tellement nice. On a pu comme prendre ça un peu relax, mais ça a fait du bien quand même. Sorry, the girls were speaking. What do you have to say to the vlog? How is the badge so far? So fun! Did you show your outfit? I don't know. Let's do outfit check. You have to show your outfit. Okay. Come on. It's a mess. The okay. room is a bit sabotage. Just a bit. Wow, gorgeous. You're in the sun. Is that okay? Yeah. Wow. Dress coop. I love. The show the shoes, the heels. Public Desire. Okay, purse from Amazon, boobies from Genetics.
good jeans. And turn around, show the veil. It says bride to be. À pompe sur lait. Hein, les filles? Non. Ça va ce matin? Yes. Priez. So crazy, right? Hey besties, I'm back home. Je vais juste vous déposer ici. Back from the batch with a rocky voice. J'ai tellement crié, ri, pleuré. Oh my god, je peux même pas croire. The best weekend of my life. Honestly, it was one of the best weekends of my life ever. Fait que, désolée, je l'avais juste trop hâte de vous faire le vlog, fait que, puis de répondre à certaines de vos questions, vous donner le plus de détails possible. Donc, you're gonna have to bear with this rocky voice. Doing my best, pour vrai, je me suis genre gavée de thé et de miel et tous les trucs de grand-mère qui existent pour que ma voix revienne. Mais c'est, that's the best it's gonna get, I guess. Fait qu'on jump right in, je vais vous jaser un peu of the batch, of the schedule, of everything, si jamais vous organisez un bachelorette ou si votre bachelorette and you want some tips and tricks. Donc pour vrai, je m'étais jamais fait organiser un surprise de ma vie, mais je dois dire que the girls blew it to the roof. It was insane. Oh, c'était genre extra fois un million fois exponentiel. Là, c'était tellement wow. Puis une fille sur Insta qui m'a écrit était comme, oh mon dieu, Maud, ça m'a fait penser à tes anniversaires de genre 2018-2017. Puis les filles m'ont dit que c'était comme ça leur inspiration pour mon bachelor. Parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis quelqu'un qui adore to host. I love to host and I always host extra. Même quand c'est quelque chose vraiment cozy, I always go all in. Puis dans le temps, je faisais tout le temps des gros birthday bash. Genre, I was going insane for my birthday. Comme je faisais des goodie bags, je faisais faire un filter Snapchat pour ma fête. Comme I was going crazy. Genre, je faisais faire des t-shirts, je faisais faire un cake. I was going all out. Puis pour la fête à Gab aussi. Genre, la fête à Gab, je faisais tout le temps something big, vraiment à son image. Fait que les filles étaient comme, on a pris les événements que t'as organisés, puis on a fait exponentiel 1 million. And they killed it! Like, they killed it. Il y a vraiment plusieurs à organiser le bachelorette, puis chaque fille qui était présente aussi a vraiment participé, vraiment contribué. Puis pour le bachelor, Agab, les gosses, ils se sont vraiment comme tout divisé. Puis je pense que c'est aussi one of the best way to kind of do it, parce que teamwork makes the dream work. Puis quand t'es en équipe comme ça, tu peux vraiment comme faire un beau bachelorette. Moi, ce que j'avais choisi pour le bachelorette, c'est le lieu et la date. Et j'étais vraiment contente de faire mon bachelorette ici. J'ai des amis qui sont maman. Je trouvais juste que c'était comme parfait d'être ici. Je trouve aussi, comme vu qu'on habite proche, on est capable d'amener des trucs dans notre auto. Si j'oublie quelque chose, whatever, like I'm back from, genre je suis proche de la maison. Fait que moi, je suis vraiment, vraiment satisfaite de leur fête à Montréal. Pour vrai, si vous hésitiez, comme je leur commencerai à Montréal, hands down, n'importe quand. Je trouve que Montréal, c'est vraiment lit. C'est nice sortir à Montréal. And I just, I loved it. Fait que dans le fond, le vendredi, quand j'étais arrivée, les filles avaient réservé à un hôtel qui est très central à Montréal. Eux, ils avaient réservé, ça s'appelle le Homewood. C'est celui qui est nouveau. C'est où est-ce qu'il y a la terrasse comme le Carla puis le restaurant, le Tiramisu. C'est dans Downtown. Fait que je trouve que Downtown ou Vieux-Port, c'est comme les places pour réserver si vous voulez comme sortir. J'ai choisi cet hôtel-là parce que c'était vraiment proche de comme toutes nos activités puis qu'il y a des trucs qu'on pouvait même marcher, etc. Fait que c'était juste parfait parce que c'était comme central. Fait que quand j'étais arrivée là-bas le vendredi, dans le fond, les filles avaient pris congé jeudi, puis vendredi, puis dans le fond, une de mes amies, Marjo, mon amie du secondaire, si vous me suivez depuis toujours, you know her. C'est une des premières qui m'aidait à faire mes photos sur Insta, genre the OG, là. Elle, c'est la propriétaire du Bleu Dessert et aussi du Pio, son amusement pour enfants. Là, elle va vraiment pas être contente parce qu'elle aime pas ça quand j'ai, genre, I put her in the spotlight, mais elle crée vraiment des fêtes pour enfants, genre, incroyables, puis merveilleuse. Fait que vraiment là, c'est comme, c'était comme un peu la chargée des décos, puis oh,
All the girls, they just nailed it. Parce que vraiment, tu sais, ma couleur préférée, c'est le mauve. Toutes les ballons étaient mauves et dorées et blanches. Puis c'était extra. Puis les arches de ballons. Puis genre, il avait amené des bonbonnes d'hélium dans la chambre. Puis il avait amené plein de ballons. Puis il gonflait ça. Puis il en mettait partout. Puis tu sais, les banderoles, les goodies. Mettons, il avait fait faire des sacs de Doritos. C'est mes chips préférés, Doritos Infernal. Avec ma face dessus. Tous mes bonbons préférés. Avec mon visage. Genre vraiment custom. C'était tellement personnalisé. Puis moi, quelque chose à propos de moi, Basties, je vois tout. Genre, je remarque tout le temps tous les petits détails. Je vois tout, je remarque tout. Puis, ils savaient, les filles, que j'allais voir tous les détails. Ils ont fait un bol de popcorn avec des mini eggs. Genre, qui est comme my favorite snack ever. Everyone knows that. Juste toutes les biscuits. Ils avaient fait faire un biscuit, ok, que c'était le calendrier du mois de juin. Puis, il y avait un X avec une E. Il y avait une bague de mariée sur le samedi de notre wedding day. Juste comme so many details. Genre, from the cookies to all, tous les accessoires. Dans le fond, le vendredi, j'avais une banderole rose avec une couronne bride-to-be. Le samedi, j'avais un voile. Puis le dimanche, j'ai une de mes amies pris qui a fait tout le chapeau matelot. Elle l'a cousu. Elle a acheté genre un chapeau matelot. Elle l'a tout cousu. Elle l'a tout fait. Elle checkait genre des tutoriels. Puis elle mettait comme des billes partout. Puis genre, tellement de temps, puis d'efforts, puis du temps comme pour juste tout organiser. Puis mon amie Maud, puis mon amie Tamika, c'est mes amis aussi du cégep. Qu'ils étaient là tous mes anniversaires, fait qu'eux c'était comme, they knew the vision, they... Oh, c'était juste tellement wow, genre je sais même pas comment exprimer ma gratitude là. Après ça, genre j'étais comme ok, comme, moi j'avais préparé des goodie bags pour les filles avec des messages genre personnalisés, puis je leur ai fait livrer genre des gros bouquets de fleurs. J'allais sur les sites de fleuristes, j'étais comme, c'est quoi le plus gros bouquet que je peux leur livrer pour leur dire un gros merci, comme vraiment aux girls, comme plus du comité d'organisation je dirais, mais comme je vous dirais, comme je vous disais, tout le monde a participé, tout le monde a amené, tu sais, tout le monde a amené sa petite touche, tout le monde a amené sa belle énergie. Mais vraiment, je voulais comme souligner le travail de genre my amazing girls who did the whole planning. Ça leur a pris comme un an tout organiser ça. Ils ont vraiment mis beaucoup de temps, ils ont vraiment mis, tu sais, comme je vous disais, les attentions, les goodies que j'avais, c'était tous des trucs que j'adore. Moi, j'adore les eye patch, comme j'en mets presque tous les jours. Ils m'avaient get des eye patch. Vraiment, ils étaient tellement attentionnés. On all the things that I love, genre juste le goodie bag qu'ils m'ont fait. Moi j'aime ça dormir avec with a sleeping mask. Pas tout le monde sait ça de moi, mais comme j'aime ça dormir quand c'est noir là. Dans ma maison j'ai genre des vraiment trucs opaques dans ma chambre, fait que j'ai pas besoin d'en mettre un, mais comme j'aime dormir dans le noir absolu. Tu sais, tous des petits trucs que comme they knew me so well. J'étais juste genre wow, genre tout ça pour moi. On a envie de pleurer, mais comme ah, je suis pas émotionnelle, mais genre c'est juste d'avoir tellement comme une grosse vague d'amour de même, de tes amis, puis juste qu'ils disent à quel point qu'ils t'aiment. Puis surtout, j'ai des amis, comme je vous disais, qui sont là depuis plus de 10 ans dans ma vie, puis que no matter what, ils m'aiment comme je suis. And that for me was like the biggest part, is just like being love with no filter. J'ai tellement essayé pendant certaines années de genre me filtrer, d'être moins extra, d'être moins ci, d'être moins ça. Puis juste que mes amis soient comme, on t'aime de même, genre... Be you 100%, sois extra, gueule partout, monte debout, sois toi. And it made me feel so special to... Oh my god. Juste être aimée pour quitter, c'est juste tellement un beau feeling de genre être aimée à 100%. Puis je veux vraiment pas pleurer. Mais on dirait toute ma vie, je m'étais jamais vraiment sentie acceptée à 100%. Puis là, j'étais juste comme, oh my god, ok, like, they get me, they accept me, they love me so much. Genre. Puis ils m'ont juste montré leur amour en disant comme, man, on t'aime tellement, genre, on t'aime tellement que comme, on a pris congé, on est là. Mes amis, maman était là au club avec moi, genre, à pomper leur lait dans les toilettes au bordel, puis à venir danser avec moi, puis ils sont restés jusqu'à la fin, ils ont booké des chambres d'hôtel. J'étais juste comme, wow. Pour vrai, c'est genre le plus beau cadeau que j'ai eu, genre, de ma vie. J'étais juste comme, ça puis ma demande en mariage, j'étais juste comme, oh my god, it was the best gift I could have ever gotten in my entire life, pour vrai. Oh, wow. Ok, je vais revenir un peu, give me a second. Ok, I'm back from my emotions, back from my emotions. je suis quelqu'un qui est très proche de ses émotions, ok? Puis je les aime d'amour, mes amis, pour vrai, je vous aime tellement, love you so much, vous écoutez le vlog. Puis après ça, dans le fond, ça c'est, ok, le vendredi, ça c'est l'hôtel. Bon, après ça, quand je suis arrivée, dans le fond, ils m'ont fait le surprise, Anna, on a jasé, on a pris un petit bubbly et tout. Puis, on est allé à mon salon, l'atelier. C'est là que je fais faire mes cheveux, mes ongles and all my goodies. Puis dans le fond, à l'atelier, il y a vraiment deux côtés. Il y a un côté que c'est
le salon esthétique, puis un côté que c'est les cheveux. Fait qu'il avait réservé toute la partie du salon d'esthétique pour qu'on puisse, genre, tu sais, les filles étaient comme on veut que tu te sentes belle pour le week-end, genre, si tu te fais laver les cheveux, si tu te fais coiffer, ta pedicure, everything. Puis c'était juste comme, encore une fois, wow! J'aime tellement les filles de l'atelier, ils nous attendaient avec du champagne. Les filles avaient fait des sushis de Depp Sushi qui étaient là. Fait que c'était juste, on mangeait des sushis avec nos petits mousseux, puis on se faisait faire nos soins, puis like, it was a cocooning time, it was so good. C'était vraiment le fun, on mettait notre musique et tout. Puis après ça, on est retourné à l'hôtel se changer, on est allé manger au Moretti. J'étais jamais allée au Moretti de Griffintown. Fait que c'était vraiment bon, j'ai full aimé la vibe, la petite musique, c'était vraiment cool. Puis après ça, on est allé, genre je pense que ça c'était aussi un de mes highlights du vendredi, on est allé au Pang Pang Karaoke. C'est tellement cute parce que dans le fond, c'est un karaoké que tu peux prendre des petites salles. Puis, c'est des salles que tu peux être comme 12 à 20 ou peut-être tu peux être plus. Mais nous, on était comme notre petit groupe dans notre petite salle. Puis, tu peux juste chanter du karaoké. Tu le mets à la télé, tu chantes, tu danses. C'était juste trop de fun. Fait que j'ai vraiment, vraiment aimé ça. On a ri. Puis, d'où what happened with my voice. Comme, j'ai tellement gueulé tout le week-end. Trois jours à crier. J'ai l'air de ça aujourd'hui. But I feel so good, je me sens super bien. Puis j'aimerais gueuler, puis toute ma voix doesn't follow what I want. Fait que, après ça, le samedi, je me suis levée, puis je suis descendue en bas. Moi, je pensais dire qu'on allait partir, je savais pas. Puis là, j'arrive, j'ouvre la porte, les filles sont comme, ouvre la porte du tiramisu, j'ouvre, puis toutes les filles sont là pour le brunch. Fait que, all the rest of the girls kind of joined us pour le samedi matin. J'ai tellement aimé les voir, justement, comme je vous dis à mes amis qui sont mamans. It was amazing. Fait qu'on a mangé un vraiment bon déjeuner. Pour vrai, j'ai full aimé ce que j'ai mangé. Mimosa, tout. Puis après ça, les filles sont comme, ok, va te changer, mets ton maillot, puis on se rejoint au sixième étage. Je suis comme, ah, ok, bon, moi, je mets mon maillot. Puis au début, je me disais, ah, peut-être qu'on va aller au spa, je sais pas, mais dans le fond, notre hôtel, elle a une terrasse. Elle avait une terrasse avec une piscine, puis quatre spas, toutes un côté de l'autre. Je trouvais ça quand même nice qu'ils soient toutes proches. Puis les filles avaient toutes décorées, il y avait une petite section, genre, on se faisait des petits cocktails, on a fait des jeux, on était dans les spas. Puis là, c'était comme vraiment like a good time to play a game. Puis un des jeux qu'on avait, en fait, c'était comme des questions, il y avait deux côtés. Il y avait cute questions for the groom, puis le reste, c'était comme des naughty questions. Puis Gab, ils avaient toutes répondu, puis moi, je devais dire ce que Gab avait répondu. Puis il y en a que j'ai pas eu bon. J'étais sûre, j'étais comme, yeah, I'm gonna kill this, I'm gonna have 100%. Mais des questions que j'ai pas eu bon, j'étais comme, parce que Gab était tellement cute, c'est tellement donné. Mettons, moi, je répondais quelque chose genre, ben, c'est. Lui, il écrivait genre trois phrases, puis c'était juste, it was so, so cute. And, oh, il est parfait pour vrai. Le temps qu'il a pris à répondre à ces questions-là, même les filles étaient comme, oh my god, Gab est tellement cute. Genre, lui, il écrivait des paragraphes. Là. Il écrivait pas juste comme, mettons, qu'est-ce que t'aimes le plus d'elle? Genre, ses yeux, whatever. Non, lui, il écrivait genre, un paragraphe. Pour vrai, qu'elle a tout le temps été full romantique, puis m'écrivait tout le temps des beaux mots, puis tout. Fait que j'ai trouvé ça vraiment cute. Puis après ça, j'étais allée me préparer dans ma chambre. Fait que ça, j'ai aimé ça, c'était comme tout à la même place. Puis après ça, j'étais me préparer à ma chambre, puis j'étais allée souper au sous-bois. J'ai vraiment bien mangé. La musique, par contre, je vous dirais, la seule fois, j'ai un petit peu moins aimé du sous-bois. C'était comme plus une musique très genre lounge, comme slash endormante au souper. Fait qu'au moins les filles étaient là pour genre me mettre de l'énergie puis me mettre dedans. Et au sous-bois, on a fait le souper puis le cake. Encore une fois, c'est du bleu dessert. Les détails, il y avait une bague, il y avait une robe de mariée, il y avait le fondant mauve, ma couleur préférée, tu sais. Juste le fait que les ballons étaient mauves, je reviens là-dessus, mais comme pour vrai, c'était tout était moi. De ma couleur préférée à mes bonbons préférés à mes sortes, ma saveur de gâteau préférée, comme tout, everything was me. C'était mauve everywhere. J'ai tellement aimé ça. J'aurais tellement que ça me représentait, puis c'était vraiment mon image. They killed it. Puis après ça, on est allé à mon club préféré. If you are wondering where I go out, mon club préféré de toutes les îles de Montréal, c'est le Bordel. Je trouve que c'est tellement nice. J'aime vraiment la musique là-bas parce que moi, j'aime la musique que tu peux chanter. J'aime les chansons, admettons que c'est genre des tunes de Rihanna ou des tunes de comme Destiny Child, puis que tu peux comme chanter les tunes. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais tu sais, quand c'est des tunes genre, mettons, say my name, mais comme avec un remix, pis là t'es genre, pouf, 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 t'es dedans, mais t'es capable de chanter les tunes. That's the kind of vibe I love. Even for my wedding, je voulais vraiment des tunes comme ça. Genre, j'aime pouvoir chanter les chansons, j'aime connaître les chansons, mais en même temps, qu'il y ait comme vraiment like a good beat to it. Puis quand j'arrive au Bordel, dans le fond, j'avais ma banquette, les danseuses étaient là avec leurs plumes parce qu'il y a des danseuses burlesques là-bas. C'était tellement un méga vibe, c'était keep bright to be dans un signe, les gros magnums, les bouteilles, les confettis, puis on est resté, on a fermé la place, on a fermé le bar. On était, je pense, the life of the party this night. Pour vrai, genre tout le monde venait comme autour de notre booth, puis comme c'était juste trop nice, on était, it was like honestly the best night, genre best night out.
on était toutes sweaty, faisait tellement chaud. Il faisait vraiment humide là, ce week-end, là, le vendredi, samedi, surtout vu qu'il y avait comme plu un peu. C'était humide, là, genre on coulait. Là. Puis comme je vous disais, mes amis allaient pomper leur lait dans les toilettes. J'étais genre wow, pump and dump and go party. Oh, je les aime tellement, ils étaient trop parfaits pour vrai. Puis après ça, le lendemain matin, on s'est levé puis on était allé en bateau toute la journée. Les filles avaient réservé un bateau avec un capitaine. Tous les ballons qu'on avait le vendredi, on les a comme traînés un peu avec nous aux endroits. Fait qu'on les a ramenés sur le bateau avec l'alcool qui restait, les chips qui restaient, les cookies qui restaient. On a comme vraiment ramené all the goodies. Les filles avaient comme aussi, tu sais, des trucs que tu tiens, genre écrit comme she said yes and right to be. Tout, like all the photo props. Les filles m'ont commandé tous mes accessoires. Genre, c'est eux qui ont commandé, tu sais, vraiment comme je vous disais, là, mes banderoles, mes trucs. Genre, le souci du détail, c'est ça que moi m'a le plus impacté, je dirais. C'était vraiment les petits détails qu'il y avait. J'avais dit aux filles que je voulais zéro phallus dans le bachelorette. Moi, personnellement, j'ai déjà été à des bachelorettes que c'était ça la thématique. Là, tous les décors was little. Genre, c'était tout ça partout. Puis moi, j'étais comme, je veux pas aucun. You know what I mean? Puis Jess, elle nous a eu genre des gros plateaux de charcuterie avec Grayson. Puis c'était là-dessus, c'était comme un petit clin d'œil. Puis je trouvais ça tellement cute parce que j'étais comme, ok, that's really funny because they know me. Puis c'était juste like an extra de charcuterie en forme de pénis. Les filles qui peuvent pas venir au bateau, tu sais, j'ai des amis qui travaillent, j'ai des amis, comme je disais, maman, etc. Fait qu'on était comme un autre groupe pour ceux qui pouvaient venir. En fait, ils sont venus le dimanche. Puis je suis arrivée chez nous à 6h dimanche, j'étais KO. Gab m'a raconté son bachelor. Les gars, pour eux, ils ont vraiment organisé un bachelor aussi à l'image de Gab. Lui, son bachelor, zéro photo, zéro ses réseaux, mais c'était vraiment, vraiment à l'image de Gab. Si vous connaissez Gab, vous savez que Gab, c'est un joueur. Il aime les jeux. On a toutes les bébelles, puis les jeux de camping qui existent dans notre maison, puis tous les jeux qui existent. Sa maison de rêve à Gab, c'est un sous-sol avec genre des arcades au pied, puis comme tous les jeux que tu peux t'imaginer. C'est vraiment un gars de jeu. Fait qu'ils ont organisé tous les jeux et les activités que tu peux t'imaginer que des gars peuvent faire. Ils ont toutes fait dans la même journée. Genre, Gab disait c'était comme le camp de jour de tes rêves. Okay, besties, the camera was too hot because the batch was too hot to handle. Je suis tellement pas drôle. Fait que j'ai dû prendre un little break. Je me rappelle plus trop où ce qu'on en était. Je pense que je vous parlais du batch à Gab. Puis que je disais que c'était plus privé and it was like a nice little boys weekend. Puis qu'ils ont fait plein d'activités, plein de sports, plein de défis, plein de trucs que moi ça aurait été genre mon cauchemar. Mais que Gab c'est littéralement the perfect bachelor for him. Puis tous les boys étaient comme pour eux, ça a en fait du bien d'avoir like a boys weekend. Puis de faire tellement d'activités qu'on n'a jamais le temps de faire, genre soit aller au go-kart, soit aller au laser quest. Ils ont joué une game de genre baseball, ils ont niaisé, ils ont fait plein de jeux, ils sont baignés chez nous. Eux, il y avait vraiment comme la maison. Fait qu'ils ont tous dormi ici. So, let's say that when I came back Sunday, it was a bit of a mess. C'était pas si pire, c'était pas deg, parce que les gars avaient quand même rangé. Ils avaient quand même fait le ménage, mais c'était comme pas rangé. Genre, les choses étaient partout sur les comptoirs. C'est ça, now the house is clean. Milo, il est toujours en train de dormir, parce que lui, il est dead de son week-end, parce que chez mes beaux-parents, souvent vous avez vu des fois dans mes stories, mais ils ont plusieurs voisins avec qui ils partagent la cour, puis le voisin à droite et le voisin en arrière, les deux ont des chiens, puis ont décidé de faire des trappes dans leur clôture de bois pour que le chien de mes beaux-parents puis les chiens des voisins puissent tous jouer ensemble avec Milo. Fait qu'ils ont comme like a little puppy party every time they're there, which is the dream. Fait que Milo, il vit sa best life aussi là, quand il s'est gardé. Donc ça a été juste tellement tellement un beau week-end. Je vais link les compagnies que peut-être vous avez vu un peu par-ci par-là dans la bio en bas, puis je vais faire aussi un Q&A sur Insta si jamais vous voulez des links of outfits and stuff. J'essaie de trouver comme the links that I can, comme mettons mon kit de sport que je portais for the brunch and everything. Je vais essayer de comme tout trouver les links et vous mettre ça. Il y a beaucoup de trucs que j'ai commandé aussi sur Amazon, fait que je vais pouvoir vous mettre ça like on my little Amazon storefront. Encore une fois, désolée pour ma voix, merci d'avoir écouté jusqu'ici with this ratchet voice that I have. Genre, c'est vraiment vraiment fatigant pour vrai. Je pense que demain ça devrait être un petit peu mieux. Je ne suis pas chanteuse professionnelle clairement parce que je me suis époumonée en chantant. Ça se dit-tu époumonée seulement? Ouais. En chantant au carré, ok. Fait que, ouais, sur ça, je vais aller me faire justement un thé avec du miel. J'espère que vous avez aimé voir le vlog. J'espère que vous avez aimé voir le batch. Merci de me suivre dans toute cette folie. Si vous avez trouvé que le batch était extra, honey, the wedding is very extra. Je pense que vous allez aimer le content du wedding aussi. J'ai une fille qui va être là au mariage. En fond, j'ai comme like two little social assistants. J'en ai une qui va vlogger, puis j'en ai une qui a mon sel. Je n'aurai pas mon sel à tout le mariage et je ne vais pas publier non plus le jour du mariage. Je veux juste qu'elle enregistre et qu'elle record the most that she can pour que comme le lendemain, je puisse prendre le temps puis vraiment comme poster des trucs du wedding.
Puis je suis vraiment, vraiment contente aussi. Une des questions que j'ai vues que je veux juste répondre là-dessus, c'est qu'on a fait notre bachelor très proche de notre mariage. On est quelle date aujourd'hui? On se marie au mois de juin. Donc, puis on a fait notre bachelorette et notre bachelor le dernier mois, le dernier week-end de mai. Puis pour vrai, je trouve que c'est le best parce que là, je me sens vraiment dans mon nuage de mariage. Le final stretch before the big day. I think it's the best to do it. If you're a bride-to-be, comme essaye de le faire le plus proche possible de ton mariage. Je trouve vraiment que je me sens... like, I have all the wedding vibes. Fait que, sur ce, n'hésitez pas à mettre un thumbs up. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, besties. J'ai tellement hâte de vous revoir dans le prochain vidéo. Ça se peut que je sois un petit peu moins active sur ma chaîne YouTube, justement en vue du wedding, et que peut-être le prochain vidéo va être a wedding content related one. Je vais essayer de voir si je suis capable de push un petit weekly vlog avant the big wedding, mais pour être bien honnête, juste depuis mon retour du bachelorette, en ce moment j'ai comme plein de rendez-vous, plein d'appels, je dois finir ma seating charge, je dois finir comme 1 million d'affaires, j'ai plein de choses que j'ai pas terminé encore avant le wedding, fait que ça se peut que je sois peut-être un petit peu moins on top avec mes vidéos à chaque semaine et tout, because it's the wedding month, it is the wedding month, besties. Je peux pas croire, j'ai l'impression genre ça fait que c'était hier que je vous annonçais qu'on s'était fiancés, puis je vais me marier avec Gab, ça va faire 11 ans qu'on va être ensemble par le temps qu'on se marie. And it's just insane. I get to marry my best friend. It's just... oh. J'ai tellement hâte. J'arrête pas de crier pour rien, j'arrête de crier, fait que là je crie en silence. Genre ça c'est crier en silence pour moi. C'est vraiment weird. I'm a little bit weird sometimes, mais sur ce, je vous aime. Bye besties.